Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est le lendemain de la Noël. Donc, mon homme est parti à ses occupations et moi j'ai fini de ranger un petit peu parce qu'hier c'était fête de Noël à la maison. Donc voilà. Et là, je vais faire une petite vidéo avec nos deux jours passés avec nos enfants. Voilà. Et nos petits-enfants. Donc, je vous souhaite un bon Noël à tous. Enfin, j'espère que tout s'est bien passé. Et bien, ceux qui n'ont pas fêté Noël, je leur fais des gros bisous quand même. Hein, ou ceux qui étaient seuls. Voilà, parce que c'est vrai que y a beaucoup de gens qui sont tout seuls, donc je pense beaucoup à eux et je vous fais des gros bisous et je vous mets des petits bouts de film et de nos deux jours, voilà, et de nos deux soirées. On a reçu beaucoup de cadeaux encore cette année et voilà, et donc on est très 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 heureux de nos enfants, de nos petits-enfants. Et voilà, je leur dirai jamais assez merci et à quel point je les aime tous. Alors, nous voilà partis pour le réveillon de la Noël. Chez Eric et Cathy ce soir. Le rond-point avec un beau jet. La roue. Le petit sapin tout décoré. Alors là, on est dehors. Donc hello. On aperçoit Cathy dans le noir. Jean-Mi, enlève-toi de devant, s'il te plaît. Oh, bah attends, ça y est, tout de suite. Alors, la porte d'entrée avec le beau Père Noël. Puis il est grand, celui-là. Hein. Et il est vachement mignon. La petite cabane. Petite cabane fabriquée par Eric. Là, j'ai pas mis de flash pour qu'on voit bien ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est dehors. Toute la matinée, ça s'est arrêté. C'était 2h l'après-midi, ça pouvait plus, c'était ça. Alors là, on fait tout le tour. La bellerie, la midi, on fait tout le tour, Encore. Encore cet intrus là avec son mégot. Hello. Enlève-toi que je vois. Bah attends. c'est pas croyable. Regardez donc comme c'est beau. Ah, vu de loin comme ça. Oh putain. C'est qu'il y en a grand, hein. La maison, elle est grande. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est, ces deux ombres, là-bas? Hello. Coucou. Hello. Alors, je remonte. Je vais essayer de remonter sans me casser la figure pour vous faire voir comme c'est beau. La fille qui marche, qui ne sait plus marcher. Là, t'as rien bu encore. Encore, oui. Il y a une peau. Qui c'est ces deux? Monsieur, dame. Hello. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, je continue ma promenade. Le sapin illuminé. Alors là, c'est tout blanc dedans, tout éclairé, avec des ours, avec une petite dame qui a une bougie. C'est magnifique. Des guirlandes. Et le petit Père Noël. La lumière. Le petit Père Noël, qui est immense d'ailleurs. Bon, et ben on va rentrer. Allez, il y a des foquettes. Ah. C'est beau, c'est magnifique.
Alors là, là dans le noir, il y a des gens, mais on n'en voit aucun. 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 Début de soirée avec nos hommes. Et moi avec mes deux belles filles. La table avec les petits Pères Noël et les serviettes en guise de manteau. Bon, là on voit qu'il y a quand même un peu de professionnalisme. On voit quand même qu'il y a des gens qui travaillent dans la déco. Hein. Et des fois c'est qu'elles sont plus douces. Bah parce que c'est bien. Parce que c'est bien fait, c'est bien décoré. Moi, c'est plus rustique. Il est très joli. Une fois que la déco est remontée pour qu'on puisse manger et boire, et ben, le lustre, il est monumental maintenant. Toute la déco, elle est mise dessus. Ah, on le voit bien. Bonjour, ma mémère. Tu lèves ta tête? Ah ben oui, tu vois les ronds là, les petits trucs qui tournent au sol. Elle voit moins bien parce qu'elle dort. Tu peux bien avec une tête? Ah oui, ah bah attends. Alors il y a elle qui est là, ça fait numéro 2. Et alors qu'est-ce qui sort du trou là? Qu'est-ce qui sort du trou? T'es bien là? Oui, ça ira. Ça ira. T'es bien là, hein? Et alors, il en manque encore une. Faut que je fasse laquelle? Cyril, tu nous racontes Poutrelle à la piscine. Alors c'est Poutrelle, il est avec sa classe et tout, puis la maîtresse elle leur dit bah, on va aller à la piscine. Donc résultat, tout le monde est content, Poutrelle il dit comme non, ça et tout. T'as pas de main. Attends, oui, mais enfin, non, mais je peux pas le faire sans les mains. Avec les épaules là, il claque les épaules. Puis la prof elle fait oui mais Poutrelle, je vais pas pouvoir t'amener avec nous. Hein. T'as pas de bras, t'as pas de jambes, comment tu veux nager? Ah mais c'est pas grave, madame, j'arrive très bien. Bon bah d'accord, donc ils vont tous à la piscine et tout, puis Poutrelle il arrive là. Madame, madame, t'es bon, t'es nadé. La prof elle a rien fait, t'es sûr Poutrelle, hein, parce que t'as pas de bras, t'as pas de jambes. Très bien nager. Alors là, elle le prend, elle le met dans l'eau, puis à tétard. Partout il sort la tête, hop, elle revient. Donc la prof plus fort et tout. Elle le sort et puis elle fait « Tiens, Poutrelle, comment tu fais, toi ?»« Ah bah, tous les week-ends avec mon papa, on va s'entraîner. »« Ah bon et tout, mais comment il fait ?»« Eh bah, quand on va au lac, tu prends le bateau, puis il me laisse au milieu du lac, puis je dois rentrer tout seul à la maison. »« Ah ouais, mais ça doit être dur, Poutrelle, quand même, et tout. »« Ah non, madame, le plus dur, c'est de sortir du sac. » Maintenant, des gâteaux. Non, c'est une bûche framboise. Et puis? Et fruits rouges. Comment? Une bûche glacée. Une bûche glacée, fruits rouges. Déjà, c'est rien. Toi, à côté, t'es un petit. C'est quoi ça? Ça, c'est la faute des crottes. Ah, ça, voilà. Et là-bas. Et voilà, il est temps de rentrer, il est 2h30 du matin.
notre journée nous attend demain. On va attaquer, il faut qu'on attaque la bouffe, hein, mon chéri. La déco de la table. Là, on s'est couché, c'était quelle heure? Plus de 3 heures. Pas 3 heures, 3 heures. Au moins 3 heures, pas loin des demi. Ouais. C'est la demi qui était la plus dure. Ah, les 3 heures, ça va, mais la demi, c'est pas dessus. Donc, ce matin, on va déjeuner avec la brioche caramélisée. On la voit pas bien, mais elle est super bonne. La brioche caramélisée, du thé, des fruits, des petits chocos. Cachou qui a pris sa place, parce que monsieur est toujours assis sur sa chaise entre nous deux. Voilà. Et bien souvent, les deux pattes sur le bord, et il attend. Donc, il a un périmètre où il faut pas qu'il avance, il le sait. Hein. Voilà. Et bien là, c'est sa place. Tous les repas, c'est pareil. Cachou, il mange sa brioche du matin. Ouais, il en a déjà mangé plusieurs bouts. Il commence à être gavé. Alors là, hop, hop, hop. Ah, et puis on s'applique. Alors, il faut que ça tombe soit sur sa chaise, soit par terre. Hop là, si sur sa chaise, c'est bon. Allez, hop là. Et ça, c'est le rituel de chaque repas. Voilà. Et puis après, ben, on va attaquer. On va attaquer la bouffe. La soirée s'est super bien passée. On a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien tendue. Et encore. Aujourd'hui, c'est les petits qui viennent. Rebelote, mais à la maison. Pas préparé. Moi, je vais faire ma bouffe pour quand les enfants vont arriver. Et aujourd'hui, c'est à la maison. Voilà, que se passera le repas. Alors, c'est vrai que la déco, on la voit pas bien, parce que comme c'est en plein jour. Il ne fait pas nuit. Il ne fait pas nuit, tu ne vois pas de lumière. Non. Donc voilà, la déco de table aujourd'hui. On verra mieux quand il fera nuit parce que tout est allumé. Mais on ne voit pas bien puisqu'il fait jour. Mon petit coussin qui s'illumine. Cage à oiseaux. Bon, bah, j'espère que mes invités seront contents. Voilà, c'est rouge, or, avec une petite touche de noir. C'est pour ça que je suis fâché avec eux. Ouais. Ils, certes, ils m'ont proposé le modèle au-dessus. Ils disent, mais ça servait à rien à part avoir des emmerdes pour moi par la suite. Parfait. Et donc, je voyais pas l'intérêt de... Bah, j'allais dire. Papa. Qu'est-ce que vous faites encore? Je vois Christophe en double, c'est pas normal. Comme ça, nous, il nous a dit. Vaut mieux que vous preniez ce modèle-là. Bah écoute, reste comme ça. Voilà. Regarde, Yann, tu bouges pas ta tête. Nickel, tu regardes comme ça, ton père, il est en train de te regarder. Regarde. Ah, c'est vrai que. On dirait le même, hein. C'est pour ça. Et je disais, mais comment ça se fait? Il y en a deux. Non, il va enlever, non. En deux. Je te voyais en double, je disais, mais c'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai remué le truc à nouveau. Parce qu'il y en a un qui a les cheveux plus longs que l'autre quand même. Monsieur non, non, mais pris sur le côté sans faire attention puisque je passais. C'est pareil, il n'a pas la barbe non plus. Ouais, puis on voit qu'il y en a là-bas au bout, il y a la travailleuse qui vient d'arriver. Oui, mais ça se voit pas.
Là, il y a les deux. Ou changer lentilles. Que tout le monde connaît. J'ai pas de lentilles, j'ai plus de lunettes. Ouais, bah justement, ça se voit. C'est ça le problème. Ah non, il n'y a pas de problème.